Agir pour l'humanité est le thème choisi par les organisateurs de l'édition 2024 de la Journée mondiale de l'humanitaire célébrée chaque année le 19 août. Après avoir observé une minute de silence en hommage aux travailleurs humanitaires du Mali qui ont perdu la vie, cette cérémonie fut une occasion de rencontres, d'échanges et de découvertes des différentes réalisations des diverses ONG présentes. C'était également un moment d'expression des sentiments de reconnaissance de l'engagement des humanitaires au Mali et dans le monde. Au nom de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, je tiens à vous remercier tous pour le travail formidable que vous accomplissez chaque jour. Certains d'entre vous, loin de vos familles et de vos foyers. Nous savons que le Mali traverse depuis 2012 une crise multiforme, mais les humanitaires ont été là. Ils sont sur le terrain avec nous, parfois au risque de leur vie. Des ONG comme Première Urgence Internationale, International Medical Corps ou encore Programme Alimentaire Mondial étaient au rendez-vous. Ils interviennent notamment dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'agriculture, de la protection citoyenne, entre autres. Montrer l'importance du travail humanitaire et aussi rappeler que les besoins sont encore là, ils augmentent chaque jour, que nous devons garder notre espoir et notre passion de servir les personnes les plus affectées. Apporter une assistance aux personnes vulnérables dans les zones de guerre, donc les voir sourire encore, c'est beaucoup. Les gouvernements maliens et américains prônent la paix et l'entente afin de pouvoir faire face aux défis humanitaires. Malgré les défis nombreux, le souhait de tout un chacun est de faire en sorte que la situation du Mali s'améliore sur tous les plans. Que cette journée mondiale de l'aide humanitaire nous rappelle l'impact incroyable que nous pouvons avoir lorsque nous sommes unis dans notre humanité commune. Que le travail continue à être bien fait et que main dans la main, tous les humanitaires œuvrant sur le sol malien, on fera le maximum pour le bonheur de nos populations maliennes. L'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, a apporté une assistance humanitaire à plus de 3 millions de personnes au Mali. L'ambassadeur des États-Unis au Mali, Rachna Koronen, espère une amélioration de la situation humanitaire au Mali dans un futur proche.